Yo, what's up tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Comme promis, je vous fais maintenant la vidéo qui concerne le Titan. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo les équipements exotiques du prochain DLC La Maison des Loups en ce qui concerne le Titan. Voilà, donc il y aura tout comme le chasseur et l'arcaniste, trois équipements. Pour le Titan, il y aura donc un casque, des gants et des jambes exotiques. Voilà, on va tout d'abord commencer avec le casque qui s'appelle Eternal Warrior. Avec vraiment, mais vraiment un skin, mais super beau. On dirait une tête de statue, mais je le kiffe. Vraiment très joli. Voilà, donc lui, sa capacité principale qui s'appelle Resolute, en anglais, pardon, va permettre d'avoir un point de ravage vraiment imparable. Voilà, donc des attaques de mêlée vraiment imparables. En ce qui concerne maintenant le deuxième équipement, donc les gants, qui s'appelle ACD Zero Feedback Fence, vraiment un nom bizarre, avec un skin noir un petit peu futuriste que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc sa capacité principale à lui va être de faire que lorsque vous faites des dégâts avec votre attaque de mêlée, donc avec votre poing, ces dégâts vont être cumulés sur une zone autour de vous. Voilà, une zone je pense assez limitée, mais une petite zone autour de vous. Voilà, c'est vraiment une grosse capacité. Si par exemple vous êtes submergé d'ennemis, voilà, tac, tu donnes un petit coup de poing. À mon avis, ça va te permettre de t'en sortir facilement. Et en ce qui concerne le troisième et dernier équipement, donc les jambes, donc c'est les Peregrine Greaves, tout simplement, avec un skin rouge assez spécial. Faut voir ce que ça donne sur le Titan, voilà. Et lui, sa capacité principale va être que la charge de l'épaule activée en l'air sera beaucoup plus puissante que celle qui est donc activée au sol. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ceux qui ont un Titan, comme dans les autres vidéos, n'hésitez pas à me dire quel équipement vous attendez vraiment. Moi, pour ma part, j'ai un Titan. J'attends vraiment le casque. Et je le trouve super joli, une tête de statue comme ça, ça fait vraiment stylé. J'attends vraiment ce casque. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des très gros bisous et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Ciao tout le monde!